les acteurs au JO, les athlètes ont une motivation qui est différente, qui est beaucoup plus forte en fait. Ma première sélection c'était en 92. À l'époque, j'avais pas encore gagné de titre, donc c'était être plongé dans le grand bain du vrai très très haut niveau. Voilà. Oui, parce que on rentre quand même un peu dans l'inconnu, et non parce que je savais ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne bien, quoi. Moi, ce que j'appréciais dans les JO, contrairement au championnat du monde, la pièce de théâtre, elle est complètement différente. Et donc, les acteurs aux JO, les athlètes ont une motivation qui est différente, qui est beaucoup plus forte en fait. Ça en fait une compétition à part parce que tout le monde vend très cher sa peau. Ça change la vie parce que le regard des gens par rapport à une médaille olympique, il est complètement différent. Quand vous êtes champion du monde dans votre sport, la majorité des gens sont des gens qui pratiquent. Et vous avez une reconnaissance qui est dans le milieu, dans votre milieu. Dès que vous prenez une médaille au niveau des Jeux Olympiques, là, ça touche tout le monde. Quand on est judoka, on n'a pas forcément une grosse habitude de gérer des médias, de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, qui ne font pas partie de votre milieu et qui vous reconnaissent, quoi. Et ça, c'est toute la différence. Voilà, quelle que soit la couleur des médailles.